3, 4, 5 cailloux, 6, 7, 8, 9, 10 cailloux dans mes poches. 1, 2, 3, 4, 5 cailloux, 6, 7, 8, 9, 10 cailloux dans mes poches. Un pour Gretel, un pour moi, un pour le courage et un pour ne pas avoir froid dans les bois. Un contre la peur, un contre la faim, le tout dans mes poches pour retrouver notre chemin. Cette journée de la littérature jeunesse est une très belle initiative. C'est assez rare et très appréciable en fait de permettre la rencontre entre les auteurs, les illustrateurs, les libraires et le grand public. Écrire, c'est un acte qui est assez solitaire. Il y a un moment où le public achète le livre, le lit, l'apprécie. Et d'offrir comme ça des plateformes où ils peuvent se rencontrer, discuter, faire des dédicaces. Et puis c'est une grande... C'est un échange, je pense. Qu'un repère sans chemin, sans route ni sentier, dans les bois. À chacun de mes pas, je sèmerai un caillou blanc afin de tracer notre chemin et retrouver nos parents tout là-bas. Pour moi, ça a été vraiment un immense plaisir de rencontrer Stéphane Servent, super auteur, auteur jeunesse que je connaissais. Je connaissais ses ouvrages et ça a été vraiment super de le rencontrer et aussi de compter avec lui. Plus personne ne lui demande. Lou, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Qui t'en veut? Alors, si je peux vous dire, les enfants et les parents, eh ben, venez, venez à l'ISM tous les samedis. C'est votre moment à vous. Nous avons eu le plaisir d'accueillir l'auteur Stéphane Servent qui, à la suite de Timothée Combelle et Rémi Courgeon, a donné l'envie de lire à tous les enfants rencontrés. Et nous avons eu également un magnifique spectacle de la compagnie Ubi. Grignoté, grignota ! Qui grignote donc ma maison ? Bonjour, madame ! Pour dire aussi que la fête de la jeunesse, au-delà des livres, c'est le bonheur d'être ensemble, le bonheur de se retrouver en famille et de partager des choses. Quoi ? Mais non, rien ! Entrez ! On va faire la cuisine ! Oui ! Suivons bien la recette, mélangeons, pétrissons, mettons le tout au four, surveillons la cuisson, soyons bien attentifs, faisons bien attention, et dans quelques instants, nous nous régalerons. Moi, en fait, je vais faire un peu baba au rhum. Moi, Gretel, je préfère faire des beignets au pot. Cracula, croquignol, croustillon, crevette. Salambon, sacristain, sablé à la noisette, suivons bien la recette, mélangeons, pétrissons, mettons le tout au four, surveillons la cuisson, soyons bien attentifs, faisons bien attention, et dans quelques instants, nous nous régalerons. Ce que j'ai vraiment observé aujourd'hui, et de la même façon les deux premières années, c'est ce bonheur partagé entre les parents et les enfants. Et c'est ce qui me semble vraiment, vraiment important à mettre en valeur. Je suis Dominique, qui représente parents.mu, le site internet pour tous les parents vivant à l'île Maurice, qui a été lancé en début d'année. Et nous sommes très fiers de collaborer avec l'IFM sur la fête de la jeunesse pour la troisième édition. Donc nous sommes aussi venus en tant que parents. Alors effectivement, en fait, magnifique journée aujourd'hui à l'IFM, ce matin avec les contes et cet après-midi avec le spectacle sur la musique. Alors moi, ce qui est important en tant que maman, c'est vraiment d'inculquer à mes enfants le plaisir de la lecture. Et je félicite l'IFM pour organiser ce type d'événement tous les ans. Ça nous permet de ramener les enfants ici, de rencontrer les écrivains, d'écouter les magnifiques contes de Véronique Lancourt et les personnes invitées. Bravo. Bravo. Un pour Gretel,
un pour moi, un pour le courage et un pour ne pas avoir froid dans les bois. Un contre la peur, un contre la faim, le tout dans mes poches pour retrouver notre chemin.